Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau jeu. Donc comme je vous l'avais promis, on est sur Beyond Two Souls. Donc après avoir regardé les votes, il semblerait que du coup il y ait une préférence pour que je fasse deux parties de jeux différentes. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie, on va dire un peu en mode histoire, ce qu'on attend un peu de moi, un peu sage, enfin voilà. Et je vais tenter de faire du coup une autre partie où je vais être en mode, comment dire, Furax. On va dire ça comme ça. Enfin voilà, vous allez un peu mieux comprendre selon les choix que je vais faire et tout. Il y a forcément des choses que je ne ferai pas ou que j'aurai oublié. Il y a peut-être des choses que je vais oublier, c'est normal. Ce jeu a tellement de possibilités en fait que des fois je peux oublier des choses. Je vais essayer de récupérer tous les bonus du jeu parce qu'il y a des bonus à récupérer et je vais essayer de tous les choper, mais je vous promets rien non plus. Donc voilà. Donc si jamais j'ai oublié un bonus, n'hésitez pas à me dire: ah, à cet endroit-là, il y a un bonus, normalement tu l'as zappé. Ok. Et comme ça, je le ferai dans la partie, dans l'autre partie, comme ça on pourra voir tous les bonus à la fin. Du coup, donc on va lancer cette partie. Comme convenu, en fait, je vais faire ordre remixé. C'est en fait tout le jeu, mais de façon chronologique. En fait, on peut jouer au jeu de base sans l'ordre chronologique. Mais vu que j'ai déjà testé cet ordre, bah je vais tester celui-là. Donc voilà, du coup, on va démarrer le jeu. Ah oui, je m'en fous. Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Je vous ai trouvée toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous? Un nom, par exemple. Quelqu'un à contacter. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Vous n'êtes pas bavarde, hein? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. À rien. C'est une cicatrice. Elle est récente. Vous devez les empêcher d'intervenir. Ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement, vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Imbécile, quel bande d'imbécile. Je sais. Ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est?
Jodie, qu'est-ce que tu as fait? Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. Donc nous voilà dans le jeu. Alors je trouve ça un peu bizarre parce que... Ah non, c'est l'autre. Je suis pas douée. Alors par contre, il faut juste que je regarde. Donc R, c'est ce côté. Okay. Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis. Viens. Ok, j'arrive. Donc alors... Donc ça... Ok, c'est pour se déplacer. Et ça, c'est pour regarder. Donc tout va se jouer en fait sur la vision, sur... Sur les déplacements et la vision par rapport au personnage, en fait. Là, par exemple, vous voyez, elle voit la guitare. Et en fait, le personnage, il est à gauche et la guitare est à droite. Et en fait, en gros, voilà, comme le montre le joystick, il faut viser, en fait, la guitare. Alors, par contre, avant, j'étais sur clavier. Et là, j'essaye avec manette pour voir ce que ça donne. Mais je vous promets rien. Voilà, on va arrêter d'être dissipé et on va... On y va? Nathan va nous attendre. Bah oui, bah je te suis. Donc là, en fait, on est dans une espèce de bureau. On sait pas trop, en fait, avec des caméras. Voilà, en fait, faut maintenir A pour pouvoir regarder. Donc on est un peu surveillé. Dépêche-toi, Jodie. Bon, il s'en cache pas, hein, clairement. La pauvre Pichoune. Alors du coup, on va voir par la suite parce que normalement, dans l'ordre chronologique, ça, c'est pas censé se passer en premier. J'ai plus de monnaie. Salut, en plus. Cole. Salut, Alan. Et c'est peut-être pour nous montrer le jeu, en fait, comment ça fonctionne. Salut, ma puce. T'es trop mignonne aujourd'hui. Merci. Ah, j'adore les compliments. Et voilà. Regardez aux alentours. Donc là, vous voyez. Je pense que ouais, c'est le didacticien, encore en fait. Encore à faire du babysitting, Cole. Très super. Marrant, Phil. Allez, fiche le camp. C'est bon, je peux rentrer. L'autre, il a fini de plaisanter. Salut, Jodie. Bonjour. Comment s'est passé ta journée? Ça peut aller. Elle est trop mignonne. Donc là, en fait, on a un casque. Hop. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Et voilà. Maintenant, t'es une vraie princesse. Ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord? Jodie, est-ce que tu m'entends? Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras? D'accord. Super, alors on y va. Première carte? Donc voilà, du coup, en fait, en gros, quand on appuie sur triangle, ça donne ça. En fait, on peut voir... on peut traverser les murs.
Voilà. Mais après, on est limité. Aiden, va vite dans l'autre pièce et montre-moi la carte. D'accord. Donc là, on va dans l'autre pièce et on regarde la carte de la petite dame. Voilà. Et pour arrêter, en fait, et pour revenir vers... Le rythme cardiaque. Vers la petite demoiselle, faut refaire triangle. Je note une augmentation des ondes cérébrales θ à 4,5 Hz. La température ambiante a chuté d'un petit degré. Ah, il me semble que... Les appareils détectent une forte perturbation magnétique supérieure à 20 Tesla. Là, vous voyez, ce gars-là, il est en orange, mais je vous montrerai plus tard ce que c'est. Ah. Donc ça, voilà. En fait, on a des trucs comme ça qui sont des espèces de bonus. Par contre, je ne sais pas. Est-ce que tu vois la carte, Jody ? Comment l'activer ? Bon, je vais revenir auprès de Jody. Donc, c'était l'étoile. Hop. Carte suivante. Donc là, après, c'est nous qui commandons, en fait. Par contre, je ne sais plus du tout comment on fait pour faire ça. Je me souviens plus du tout. Je sais plus. Je sais qu'il faut faire un truc avec le point. Aiden, vas-y, s'il te plaît. Bah mince là. Je sais pas du tout. C'est sûr que c'est plus simple. Ah, ça y est. Ok. Ah, c'est compliqué. Yes. Je suis où? D'accord, ok. Donc en fait, fallait appuyer sur L1 et R1 en même temps. Aiden, elle est dans l'autre pièce. Oui. Montre-moi la carte. J'arrive. Ah, c'est plus casse-pied par contre, le mouvement d'Aiden avec la manette. Le carré, ok, ça marche. Tac. Carte et on suivante. Va vite faire le suivant. Tac. En soi, ça n'a rien de trop sorcier, ça va pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Là, on va faire ça vite fait. Les vagues. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber? Maintenir. Ok. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets? Donc concrètement, en fait, ce jeu est vraiment fait que en QTE. Donc si vous aimez les QTE, ce jeu est vraiment fait pour vous. C'est quoi ça? Ah, c'est le sac de la dame. Bon, on va quand même pas y toucher. Tac. Désolée, mais j'arrête là. Ok, Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. C'est fermé. La porte est fermée. Mais si, non, Kathleen, c'est pas fermé, elle doit juste être bloquée. Donne-nous un instant. Faites-moi sortir de suite. Restez calme, Kathleen. Va ouvrir la porte. Arrête ça immédiatement, Jody. Le test est terminé. Tu dois... Ça suffit, Aiden. Touche à rien. Ok, Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. Ce sera jamais fini. Alors
Alors, je vous avoue que les interactions avec Aiden sont beaucoup plus faciles sur clavier, par contre. Donc là, on vient de finir l'expérience, et en fait, à chaque fin de petit chapitre, en fait, on a en gros le pourcentage de ce que les gens ont choisi. Donc c'est pas du tout un pourcentage de ce qui est correct ou non, c'est juste que les autres ont choisi. Je trouve ça super sympa d'avoir mis ça. Donc j'ai stoppé l'expérience, en fait, j'ai pas continué, et j'ai laissé Kathleen tranquille. Et bien plus tard, donc quand j'aurai fini le jeu, je vous montrerai du coup comment est-ce qu'on fait l'inverse, en gros. Voilà, donc c'est bien ça, du coup, on retourne sur le tout début de l'histoire. Donc c'était bien un didacticiel, du coup. Bon, j'ai bien fait de continuer de pas m'inquiéter, finalement. Petite pitchoune. Hé, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Donc ça va être énormément de scènes cinématiques. Ce jeu est principalement fait pour son scénario. Donc c'est pour ça que je vais le moins parler possible pendant les scènes. Parce que je veux pas vous gâcher. Je veux pas vous gâcher l'histoire. Voilà, je vais pas parler en même temps qu'il parle, sinon bah, vous risquez de rien entendre et ce serait vraiment trop bête. Donc là voilà, on peut se déplacer, donc on est dans la maison. Ah, faut que j'aille vers le bas. Ok. Donc là, en fait... Ah mince! J'ai cru que pour regarder, il fallait appuyer longtemps sur B. Bon, c'est pas grave. C'est ma faute. Mince. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de mal. Donc là, si on appelle... Yeah! On peut appeler Aiden. Sympa. Donc en fait tous les points bleus, ça veut dire qu'Aiden peut faire des interactions avec les objets en fait. Voilà, je pense qu'il peut éteindre le feu, j'imagine. Donc c'est vraiment sympa. Coucou. Ok. On va pas embêter la maman. Coucou maman. Je peux avoir un gâteau? C'est bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. D'accord. Bon, je vais être gentille. Je vais écouter maman. Ah, j'ai dit que je prenais des décisions sages. Hein, donc là, vous voyez, on peut visiter un peu la maison. C'est vraiment sympa comme tout. Et petites pantoufles de princesse. C'est trop mignon. Ah, je suis une fille, hein, je suis obligée de trouver des trucs mignons. Donc là, hop. Mince. Donc là. Si je vais ici. Alors, X. RB. Là, on vient de voir un truc, on sait. C'est un peu bizarre en fait, on a eu une espèce de reflet étrange. Donc là, c'est la chambre de notre petite Jodie. Hein ? Oh les parents. Oh, bonjour madame la fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé ? Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas, on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore votre voiture. Oui, c'est moi qui l'ai choisie. Et même qu'elle va vraiment super vite.
Allez, venez, c'est par là. Waouh, quelle belle maison vous avez. Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous voulez un petit sucre dans votre thé, Madame Lafay? Oh, non merci. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Ah, ok. Bon, apparemment, elle a l'air d'être fâchée avec Aiden. Ah bah ça par contre c'est plus facile sur manette. Apparemment elle a l'air de dessiner un peu les mêmes trucs. Non parce que la musique elle est... Je la trouve... Jody chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. D'accord, maman. Hop. Donc là, il y a deux autres pièces. On va voir pour y aller plus tard. On va faire ce que nous dit notre maman. On va être des gens, une gentille fille. Ta 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 ta. C'est vraiment bien fait, franchement. Alors, la bouteille d'huile. Ah d'ailleurs, j'ai pas... attendez. Oh, flippant, ok, j'ai oublié ça. Je vais juste regarder les alentours si je trouve pas un bonus quelque part. Ah, c'est génial, oh j'adore. Alors, en vrai, normalement, c'est vraiment extrêmement bien fait dans le jeu, parce que normalement, ces trucs-là, mais je flippe, en fait. Traverser les murs comme ça, j'ai l'impression d'être dans le vide intersidéral, et je flippe, normalement, mais c'est tellement bien fait que... Olive oil! Yes, elle est là! C'est pas cool. On prend ça une sens. Là, chérie. Tu vas bien? Oh, c'est l'ampoule, mon cœur. J'ai demandé à ton père de la changer, je sais pas combien de fois. Il y avait quelque chose, maman. Ce n'est que ton imagination. Il n'y a rien, regarde. Les adultes aussi imaginent des choses. C'est rien. C'est vraiment marrant parce que, en fait, c'est triste. Enfin, dans un sens, c'est un peu triste parce que la gamine, en fait, il lui arrive vraiment des trucs et sa maman la croit pas. Mais en fait, on a du mal à lui en vouloir parce que, oui, les enfants imaginent beaucoup de choses et en fait, elle est bienveillante, en fait. Hé, mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Je t'appellerai pour le dîner. Ok.
va juste faire un petit truc avant. Donc là, ici, on a la chambre de papa-maman. Voilà. Je sais pas si on peut jouer avec le maquillage de sa maman. Ah si, c'est génial, yes! Mais c'est trop bien, mais oui! On a toutes fait ça quand on était gamine. Non, Aiden. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. T'es la première à jouer avec. Bon, allez. Ah, s'essuie la bouche, hein. Elle est maligne hein, quand même. Hein. On va pas aller sur le lit des parents quand même, faut pas déconner non plus. Allô? Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça! Aiden, arrête pas de vouloir jouer avec elle et de l'embêter du coup. C'est vraiment marrant, ils ont vraiment réussi à bien retranscrire en fait les jeux des enfants. C'est... S'il te plaît, Jodie, je suis occupé. Ok. Bon, papa est occupé. Et j'ai trouvé... Enfin ouais, je trouve ça super, super bien fait en fait, parce que les enfants en fait, ils imitent les adultes en fait quand ils jouent. Et je sais pas, je trouve ça génial en fait. Bon, là, on va s'habiller pour aller dehors, comme nous l'a demandé la maman. Elle va mettre ses petites pantoufles. C'est génial. Avec sa petite écharpe, c'est trop mignon. On dirait une écharpe Instagram, tu sais. Parce que regardez, en fait, elle est... ouais, enfin, elle est multicolore, mais en fait, les couleurs sont très dans le jaune, orange, rouge et violet, en fait. Pour ça, je dis Instagram. Bon, d'accord. Je trouve que la musique, elle est un peu... Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Aiden? Toi, t'as jamais froid. Alors, normalement, s'il y a un bonus... On devrait voir une espèce de... de truc blanc. Enfin, truc blanc, truc bleu. Mais comme sur le premier truc. Putain, on voit presque pas. Je sais pas si... Ah non, Judy, elle peut pas jouer avec le ballon. Ah, il m'a eu. Non. Hé, hey, t'as entendu ça? Ça venait de la rue. J'ai essayé de faire des vidéos à peu près de 40 minutes. Je pense que c'est... ça va, c'est pas trop... Sale gosse qui joue dans la rue. Montre-toi, sale minute.
Tu veux bien me pousser, Aiden? D'accord, je me rends. J'abandonne. Comment je suis censée faire? Ah! D'accord, ok. Aïe, aïe, t'es quoi? Comme tu veux. C'est pas marrant de toute façon. Ah, c'est lui qui veut arrêter, d'accord, ok. Donc, au cas où vous vous poseriez la question, non, nous ne pouvons pas courir dans ce jeu. Allez-y, les nuls. Ou tout du moins, je ne crois pas. Hey, par là ! Je sais pas où est-ce qu'on peut les voir. C'est froid ! Ah, c'est là. Tu l'as prise en pleine tête. Je t'ai eu. Hey ! Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient. Maman le saura même pas. Je sais pas si on est obligé en fait d'y aller ou pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois en fait, ne pas faire d'action, ça. Je t'ai eu. Mince. On y va, allez, on va le pouf. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Aiden. Il est là-bas, derrière. Aïe, aïe, c'est froid. Aiden, t'es le meilleur. Elle est contente pour une fois. Elle était là, non, je veux pas jouer avec toi. Allez, merde. Vas-y, Mais c'est... Ah non, c'est RB. Autant pour moi. RB. Si j'appuie sur les move boutons aussi... Hé, Johnny, tu veux jouer avec nous? Ouais. Allez, dépêche-toi, va te casser, défoncer. Tu vas te faire avoir. Ah là, pour le coup, ça c'était hyper facile. Ok, allez, bon, ça va. Ok. Hey, ça c'est de la triche. Oh. Ah. Mais Allez-y, les nuls, attaquez-moi. Tiens. Allez, vas-y, lance-la. Hey, qui c'est qu'on a pas eu là? Attendez-moi. Toi là, le mec avec. Allez-y, non, lui il en a eu. Attaquez-moi. Lui. Mais non. C'est pas elle que je voulais miser, c'est lui. Tu m'arrêtes. Tiens. Aïe, aïe, c'est froid. Tiens, allez, bim. Cors, 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 tu vas te faire avoir. Et non, raté. T'es nul. Tiens, moi je te rate pas par contre. Cette fois, t'es foutu. Je t'ai eu. Non. Donc là en fait je sais pas si vous voyez mais il y a une espèce de petit halo rouge en fait et Aiden peut interagir avec le garçon mais j'ai juste laissé pour voir si je sais pas ce qui se passe en fait Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'on est obligé en fait de. Maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue?
Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Je lui ai rien fait du tout. C'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre. Il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jody, non, celle-là, non, tu n'auras pas volé. Philippe, non! Va dans ta chambre. Allez! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? Bonne nuit. Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. Oh, c'est flippant. En vrai, ça... J'aime bien quand il n'y a pas d'obscurité. L'obscurité, pour moi, c'est quand on voit les ombres et tout. Et je déteste ça, en fait. Voir les ombres, je trouve ça trop flippant. T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden. On va tous les deux s'endormir. Et il va rien nous arriver de mal. Oh, c'est trop mignon. Oh, moi, je trouve ça trop chou. Plus fort que moi. Jody! Jody! Attends, pousse-toi, je vais essayer. Jody! Est-ce que ça va? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé, mon ange? Tu m'as dit que les monstres, c'était dans ma tête. Mais ils existent, maman, ils existent! Alors, tac tac tac, gâteau laissé, donc ça c'est gâteau au-dessus du frigo, enfermé dans le garage, donc je pense qu'à un moment, en fait si on décide de pas aller dans le garage, je pense qu'il y a un temps donné et on peut aller dans le non, enfin ouais on peut aller, je pense qu'on peut ne pas aller dans le garage, sage, je sais pas ce que c'est, et boîte à chaussures manquée, ok. Donc apparemment, en fait, on était un peu obligé de faire appel à Aiden contre le petit garçon. J'étais pas sûre. Boîte à chaussures manquée. J'ai manqué une boîte à chaussures. Bon, c'est pas trop grave en soi. Ok, donc voilà. Du coup, on en a fini, parce que là, je vois qu'il est 35. Donc ça doit faire à peu près... je pense 40 minutes qu'on est sur cette vidéo. Donc pour le moment, on voit pas de choses, là pour le moment elle est enfant, donc on voit juste, on a fait le didacticiel, et là en fait on voit le début en fait. Apparemment elle connaît déjà Aiden, elle a des interactions avec lui, et apparemment il y a autre chose qui l'attaquerait, mais on sait pas trop c'est quoi, on comprend pas tout, enfin à ce stade...
ouais, on sait pas trop ce qui se passe. La pauvre gamine, il lui arrive des trucs et enfin ouais, c'est un peu compliqué quoi. Et je sais pas si vous avez vu, mais à la dernière en fait au dernier instant, il y avait la petite fille en fait qui était griffée à plusieurs endroits. Donc c'est quelque chose qui l'attaque, mais on sait pas ce que c'est. Enfin bon, voilà. Donc voilà, du coup, donc cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ce petit début vous aura plu. Donc je vais continuer l'histoire en essayant de faire des choix, voilà, comme j'ai dit, un peu sage, où je vais pas être en mode Aiden qui fait des bêtises tout le temps. Voilà, je vais vraiment être calme. Je vais faire un peu ce qu'on attend, on va dire, du personnage de Jody. Et après, on verra, quoi. Je vais vraiment être sage, tranquille et tout. Et quand je ferai ma partie, ma partie où du coup là je ferai Aiden en mode fureur quoi. En gros, donc je sais pas si vous avez vu, mais en fait genre on pouvait avoir des interactions avec les chaises, avec la télé, avec les vitres. En fait Aiden peut casser ces choses en fait, et du coup je l'ai pas fait parce que vu que je veux prendre des décisions sages, voilà. Mais du coup quand je ferai mon autre partie, je ferai des choses complètement différentes. Et du coup, j'essaierai quand même de voir c'est quoi les voies que j'ai pas empruntées, parce que en fait, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait la première fois que j'ai joué au jeu en fait. Et en soi, il n'y a rien de ouf, on va dire ça comme ça. Et on a trouvé du coup le petit bonus de ce niveau, donc c'est cool. Donc voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette petite aventure. Je pense que je vais faire 40 minutes à peu près. Je vous rassure, son enfance, on la passe si longtemps que ça. Donc je vais pas faire 20 vidéos dessus, je vous rassure. Je pense que maximum on sera sur 3 vidéos de son enfance, et après on démarrera sur un côté un peu plus adolescent et ensuite adulte. Donc voilà, c'est juste pour vous rassurer. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous souhaite à tous un très bon week-end pour ce soir. Bisous tout le monde!